Si on laissait faire les moutons, ils ne mangeraient que du sainfoin et du trèfle, ce qu'on appelle également des légumineuses. L'ennui, c'est que ces légumineuses entretiennent la fermentation dans l'appareil digestif. Un animal qui en mange trop gonfle et il peut même en mourir. Mais ce n'est pas tout. Si les moutons mangeaient toutes les légumineuses, eh bien, ces plantes seraient remplacées par une autre variété des graminées, qui sont beaucoup moins riches, qui intéressent moins les moutons. Du coup, la prairie perdrait de son intérêt pour les années à venir. Sans compter que les graminées retiennent moins la neige en hiver, ce qui peut, par endroits, être un facteur d'avalanche. Par conséquent, pour que les moutons aient une nourriture équilibrée et pour préserver la richesse des pâturages, eh bien, les bergers obligent leurs troupeaux à manger des graminées. Mais ce n'est pas tout. Ces prairies sont d'anciennes forêts qui ont été défrichées pour les cultures. Eh bien, pour éviter qu'elles soient à nouveau envahies par les arbres, on oblige les moutons à manger les jeunes pousses.